Salut vos amis et bienvenue sur France Bleu Cuisine. Je sais que vous adorez faire la fête. Bon, tout comme moi vous me direz. Mais on est d'accord, organiser et préparer un truc sympa, c'est pas facile. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous présenter 5 astuces pour préparer une bonne soirée. D'ailleurs avant que ça commence, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous voulez plus d'astuces comme celles qui vont suivre. Et maintenant, bon visionnage. Première astuce pour bien présenter les chips, c'est tout simple. Regardez. Il vous faudra pour ça un saladier et un verre. Et vous allez mettre le verre dans le saladier. Et là, dans le saladier, vous allez verser les chips. Et dans le verre, on va verser le contenu de la sauce. Et vous pouvez mettre ça sur une table et il ne vous reste plus qu'à vous servir. Deuxième astuce pour répondre à la question qu'est-ce qu'on mange, vous allez avoir besoin de pommes de terre et d'un appareil pour découper les pommes. On vient prendre la pomme de terre, l'appareil pour les pommes et on va couper. Une fois qu'on a toutes les potatoes de prête, vous pouvez encore couper la partie du milieu en deux et on va les assaisonner. Et là, on assaisonne avec du sel, du poivre, des épices pour potatoes, un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu d'huile d'olive. Vous mélangez le plat et on va venir faire cuire le tout au four pendant 45 minutes à 200 degrés. On vient de sortir les potatoes du four et regardez, franchement, elles sont vraiment sympas. Et là, on vient juste les tremper dans de la sauce. Et là, on vient déguster. En soirée, on a toujours besoin de réchauffer des parts de pizza et pour ça, j'ai une astuce aussi. On va prendre la part à pizza qu'on va plier comme ceci, voilà, en triangle. Et là, on va tout simplement couper la croûte. Et on dépose tout simplement les deux triangles dans un appareil à gaufres et on va faire cuire pendant 2 minutes. Et voilà le résultat, à vous la pizza nouveau chaude et à l'intérieur bien fondante. Ensuite, j'ai une astuce pour les boissons, c'est tout simple. Vous allez prendre un citron non traité et on va couper 2 tranches. Vous allez venir mettre dans des jarres les 2 tranches de citron. Et ensuite, là c'est tout simple, vous allez venir mettre quelques bonbons. Et là, vous allez venir ajouter du Sprite. Et pour le dessert, j'ai une belle astuce aussi. Il vous faudra des cookies et un pot de glace. Dans le pot de glace, à l'aide d'un couteau, on va découper des tranches. Ensuite, on vient faire une petite incision dans le carton. On vient positionner nos rouleaux de glace sur les cookies. Ensuite, on revient mettre un cookie sur le dessus. On repère notre entaille qui est juste ici. On retire le carton. Et voilà, on a un cookie ice cream sandwich. Bon, là je vais pas tout déguster, mais il y avait quelque chose que j'étais obligé de goûter en vidéo. Ça sent super bon. Allez, c'est parti. Oh. Oh là là. Oh là là, c'était super bon, c'était un truc de fou. Et je vais même goûter la petite boisson, la limonade, parce que même si ça paraît simple, ça a vraiment le goût des bonbons. Et c'est super bon. Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle astuce vous avez trouvé le plus utile. Et si dans les prochains temps, vous faites une soirée que vous utilisez une de ces astuces, n'hésitez pas à me faire une petite photo avec le hashtag FastFoodCuisine, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. On se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle recette. J'espère que la semaine que je vous prépare va vous plaire. Il y aura des trucs de folie, un burger, peut-être une dégustation avec un invité un petit peu surprise. Enfin voilà, et puis ben, pour ne rien louper à tout ça, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. C'est fait. Et sur ce, ciao ciao !